Nous sommes très contents que le peuple et le gouvernement de la Chine restent nos amis. La Chine a toujours soutenu l'Afrique depuis le début de sa lutte pour sa libération. Et aujourd'hui, nous faisons à nouveau face à une nouvelle lutte. Il s'agit de la libération économique et le pays nous aide à cet égard. Nous offrons nos meilleurs voeux au président alors qu'il s'embarque dans un mandat de 5 ans. Et je suis sûr que vu qu'il a le soutien de l'ensemble du peuple chinois, il devrait ainsi être en mesure de parvenir à des résultats remarquables pour le peuple de la Chine et le monde entier. Nous avons le forum de coopération Chine-Afrique et nous avons convenu d'un cadre stratégique pour une période donnée. Nous mettons en œuvre le programme actuel, la présence de la Chine en Afrique croît dans différents domaines, dans tous les domaines d'activité socio-économique. C'est vraiment visible à l'échelle nationale et à l'échelle continentale.